La chaussée est à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que la chaussée est à sens unique? Donc, pour savoir ça, il faut regarder la signalisation, c'est-à-dire les panneaux, éventuellement le marquage au sol. Alors, ici, on a un petit panneau bleu avec cette flèche. C'est un panneau carré, un panneau d'indication. Ça nous indique quoi? Qu'on est effectivement en sens unique. On pouvait aussi le voir, le savoir. On a un panneau de chaque côté de la route. Donc, ça signifie qu'on est aussi en sens unique. Et le troisième indice aussi, c'est qu'on a une ligne blanche continue sur la gauche. Dès l'instant où on a une ligne blanche continue sur la gauche, on est en sens unique. Donc, oui, on est en sens unique. Alors, est-ce que je dépasse? Donc, il y a toujours trois choses à vérifier avant de dépasser. Donc, vérifier si on a l'autorisation, si j'ai le droit. Donc là, les pointillés m'autorisent à effectuer le dépassement et il n'y a aucun panneau qui m'interdit d'effectuer un dépassement. Deuxième chose, donc est-ce que j'ai une bonne visibilité vers l'avant, etc. Donc là, pas de souci, puisqu'on est en sens unique. Donc il n'y a personne qui peut arriver en face. Donc même si on a une mauvaise visibilité, il n'y a aucun souci. Et dernière chose aussi importante, donc, il faut vérifier qu'on n'est pas déjà dépassé, qu'il n'y a pas quelqu'un qui nous dépasse sur cette voie. Alors, ça, comment on peut le savoir? Donc, grâce au rétroviseur. Donc, le rétroviseur antérieur, on n'aperçoit personne. Par contre, dans ce rétroviseur extérieur, on peut apercevoir le bout d'une voiture qui est presque dans notre angle mort. Donc, il commence à arriver à côté de nous. Pour l'instant, je ne peux pas dépasser parce que si je me déporte tout de suite, je vais percuter ce véhicule. Donc, toujours bien penser à vérifier les rétros avant de dépasser. Donc, la chaussée est à sens unique, oui. Par contre, je ne dépasse pas. Bonne réponse A et D. Ce réservoir contient du lave-glace, réponse A, du liquide de frein, réponse B, du liquide de refroidissement, réponse C. Alors, ce réservoir, qu'est-ce qu'il contient? Donc, pour savoir ça, il faut regarder les symboles sur le bouchon et surtout le symbole. Bon, on a le petit livre, le petit attention. Donc, surtout le symbole qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc, on a ce symbole des freins. Donc, on a le disque de frein avec les plaquettes. Je vous rappelle, on a aussi ce symbole, ce témoin rouge qui s'allume sur le tableau de bord. Si on a le frein à main de serrer ou si justement on a un problème de frein, donc ce symbole c'est les freins, du coup ce réservoir contient du liquide de frein. Bon, réponse B. En m'insérant, mon volant a vibré. L'avertisseur de changement de fil est activé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je n'ai pas actionné mon clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, l'avertisseur du changement de fil, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est des capteurs qui sont situés sur le véhicule à l'avant. Ça va analyser surtout les lignes blanches au sol. Et du coup, si on change de fil sans faire exprès, ça va nous avertir. Le volant va se mettre légèrement à vibrer pour nous avertir justement de ça. Donc là, apparemment, donc c'est ce qui s'est passé. On était dans cette voie-là et là, on a changé de voie. La voiture détectait cette ligne et quand on dépasse cette ligne,
Donc ça nous avertit en vibrant. Donc oui, ça signale que l'avertisseur de changement de fil est activé. Alors forcément, donc des fois, il faut changer de fil. Mais par contre, pour changer de fil, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours actionner le clignotant. Justement, si j'actionne mon clignotant, j'avertis mon véhicule que je fais changer de fil. Et du coup, si je prends, je change de ligne, là, ça va être normal. Donc là, le volant ne va pas se mettre à vibrer. Donc si le volant est vibré, c'est que voilà, je n'ai pas actionné mon clignotant. Donc l'avertisseur de changement de fil est activé, oui. Et je n'ai pas actionné mon clignotant, c'est vrai aussi. Donc bonne réponse, A et C. Dans les descentes, j'économise plus de carburant. Si je circule au point mort, réponse A. Si j'utilise le frein moteur, réponse B. Si j'appuie toujours sur la pédale d'embrayage, réponse C. Alors, dans les longues descentes, donc j'économise plus de carburant si je fais quoi? Ah, c'est vrai qu'on serait tenté éventuellement donc de circuler au point mort. Alors, qu'est-ce que c'est le point mort? C'est qu'on n'a aucune vitesse d'enclencher. Généralement, qu'est-ce qui se passe dans les descentes? C'est que si je n'enclenche aucune vitesse, donc ma voiture va être ce qu'on appelle en roue libre. Il n'y a plus rien qui va ralentir le véhicule. Donc le véhicule, il va généralement prendre de l'allure en descente. Donc on a l'impression d'économiser du carburant. Sauf que le problème, voilà, comme le véhicule va vite prendre de l'envahi, on va être obligé de freiner. Mais là, du coup, si je freine, je vais user forcément mes freins beaucoup plus rapidement. Donc éventuellement on économise du carburant, mais pas vraiment, parce que en fait le moteur tourne toujours. Qu'est-ce qui fait tourner le moteur dans ce cas-là? C'est pas les roues, ça va être forcément le carburant. Donc il y a quand même un minimum de carburant qui va arriver dans le moteur pour le faire tourner. Donc là on va consommer quand même du carburant. Si j'appuie toujours sur la pédale d'embrayage, alors c'est en fait ça fait un petit peu le même effet que le point mort. Donc si j'ai une vitesse d'enclenchée, ok, mais si j'appuie sur la pédale d'embrayage, le moteur ne va pas être relié aux roues. Donc même chose, là il faut que le moteur tourne, et grâce à quoi le moteur va tourner? Toujours du carburant. Par contre, si j'utilise le frein moteur, donc là en utilisant le frein moteur, comment le faire? Donc il faut avoir une vitesse d'enclencher et la pédale d'embrayage remontée, pour que là le moteur soit relié aux roues. Et là en fait dans une descente, si je n'accélère pas, donc qu'est-ce qui va entraîner le moteur? Donc là justement ça va être les roues du véhicule. C'est les roues qui vont entraîner le moteur. Et du coup, là, j'ai plus besoin de carburant pour faire tourner mon moteur. Et si on a un affichage de consommation de carburant instantané, on va avoir affiché 0, parce qu'il n'y a plus une goutte d'essence qui va arriver dans mon moteur. Et justement, donc le moteur, comme il tourne, il va faire aussi, c'est une grosse pièce, hein, le moteur, il va faire en même temps ralentir un peu plus le véhicule, hein, ce qu'on appelle le frein moteur. Comme le moteur tourne, et comme il n'a plus de carburant, il va faire ralentir plus ou moins la voiture suivant la descente. Donc je vais économiser du carburant parce que, comme je vous dis, avec le frein moteur, c'est les roues qui vont entraîner le moteur, donc il n'y a plus d'essence qui va arriver dans le moteur. Et en même temps, ce moteur va ralentir la voiture. Donc on va user beaucoup moins les freins. Donc surtout, voilà, jamais circuler au point mort et jamais circuler avec la pédale d'embrayage toujours appuyée. Donc bonne réponse, B. J'allume mes feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on circule sur une voie rapide ou sur une autoroute. Donc, qu'est-ce qui se passe devant nous? On a un très fort ralentissement dû à un bouchon. Donc, on voit bien que les véhicules freinent, mettent leurs feux de détresse. Donc, la question, est-ce que moi-même, je mets les feux de détresse? Donc, les feux de détresse, à quoi ça sert? Ça sert à avertir au loin ceux qui arrivent vite pour l'avertir justement. Qu'on est à allure très longue, parce que de loin, quand on aperçoit un véhicule, c'est pas évident de savoir à quelle allure il roule. Donc si on n'est pas averti très tôt,
on va pas te freiner très tôt. Et le véhicule qui arrive derrière risque de freiner justement, malheureusement trop tard. Donc, par contre, on allume le feu de détresse. Forcément, uniquement qu'on est le dernier du bouchon. Un véhicule qui est là-bas, c'est là le feu de détresse. Ça va pas servir à grand-chose. Donc là, est-ce qu'on est les derniers du bouchon? Donc, on peut apercevoir que oui, on est les derniers du fort ralentissement. Donc là, il faut avertir les véhicules qui pourraient arriver vite derrière nous. Donc, bien sûr, j'allume mes feux de détresse. Bon, réponse A. Il faut avoir obligatoirement à bord du véhicule un gilet haute visibilité. Réponse A. Un gilet haute visibilité par passager. Réponse B. Un triangle de présignalisation. Réponse C. Deux triangles de présignalisation. Réponse D. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir obligatoirement au bord du véhicule? Donc ça, c'est assez simple. Il faut avoir obligatoirement un gilet haute visibilité. Donc c'est le minimum. Donc voilà, il faut pas avoir un gilet par passager. C'est l'idéal, forcément. Mais ce n'est pas obligatoire. Vraiment, on demande le minimum obligatoire. Donc c'est au moins un gilet haute visibilité et au moins un triangle de présignalisation. Voilà ce qui est obligatoire. Alors après, on peut avoir aussi les deux triangles. On peut avoir plusieurs gilets, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, bonne réponse A et C. Je continue le dépassement. Réponse A. Je renonce au dépassement. Réponse B. Alors pour dépasser, il y a toujours trois choses à vérifier. Si j'ai l'autorisation, si j'ai le droit, la visibilité vers l'avant et si personne me dépasse derrière moi. Alors est-ce que j'ai l'autorisation de dépasser? Donc là on a une ligne discontinue. Par contre, les traits sont très rapprochés, ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc quelle est la différence par rapport à une ligne, on va dire normale, où les traits sont très espacés? C'est que cette ligne nous autorise à dépasser que les véhicules lents. Je vous rappelle qu'est-ce que c'est un véhicule lent, c'est un véhicule qui circule égal ou inférieur à 60 km/h. Donc là, on a un vélo, un cycliste, donc forcément un cycliste ne veut pas rouler à plus de 60 km/h. Donc là, la ligne m'autorise le dépassement de ce cycliste. Donc par contre, est-ce que je dépasse? Donc là, le problème, on arrive dans un virage, est-ce qu'on a une bonne visibilité? Donc non, on voit pas très loin ce qui se passe, même si ce cycliste circule lentement, même si je vais pas mettre beaucoup de temps à dépasser, bah, il avance quand même. Donc si au moment où je m'engage, je commence à m'engager pour effectuer le dépassement et au même moment il y a un véhicule qui surgit rapidement devant nous, ça va être très compliqué. Donc là, comme j'ai pas une bonne visibilité, je renonce au dépassement et je vais attendre d'avoir une belle ligne droite pour avoir une meilleure visibilité. Donc bonne réponse B. Savoir les particularités des autres usagers permet de faire preuve de courtoisie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet de savoir partager la route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors pour savoir les particularités des autres usagers, donc forcément les questions qu'on parle souvent, donc si on est à l'intérieur du véhicule, mais on ne croise pas forcément que d'autres voitures. Des fois on a forcément d'autres usagers, notamment donc les piétons, les deux-roues, les camions, les tracteurs, voilà. On a d'autres véhicules, autres forcément que les voitures. Donc savoir la particularité, donc c'est-à-dire comment se comportent ces autres usagers. Est-ce que ça permet de faire
preuve de courtoisie, bien sûr, de les laisser passer, de faciliter leur passage, voilà, de les embêter le moins possible. Est-ce que ça permet de savoir partager la route? Aussi, bien sûr, donc forcément un piéton, par exemple, il faut savoir, bien sûr, qu'il ne peut pas se déplacer rapidement, mais il peut aussi changer d'allure très vite. On peut marcher tout un coup, courir une moto. Donc ça peut aussi vite changer d'allure par rapport à un tracteur ou un poids lourd. Voilà, là l'allure ne peut pas forcément changer très rapidement. Donc le fait de savoir tout ça, que ces usagers aussi vulnérables, les piétons, les deux-roues, voilà, il faut faire attention. Donc forcément à eux. Donc oui, dans les deux cas, bien, bonne réponse A et C. Le stationnement est payant, réponse A. Gratuit, réponse B. À durée limitée, réponse C. Contrôlé par disque, réponse D. Alors ici, nous arrivons donc dans une zone où le stationnement est interdit, à part si on utilise un disque de stationnement. Donc déjà, le stationnement est contrôlé par un disque. Alors s'il est contrôlé par un disque, il est forcément aussi à durée limitée. Ce qui est marqué ici, la durée maximale limitée est à 1h30. Alors, par contre, est-ce que ce stationnement est payant ou gratuit? Donc, quand c'est à durée limitée, c'est entièrement gratuit. Donc, bonne réponse B, C et D. Il est encore possible de prendre la direction de l'île. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc ici nous arrivons donc ce qu'on appelle une sortie et une bifurcation d'autoroute. Donc c'est-à-dire un changement de direction. Donc nous là on souhaite prendre la direction de l'île. Donc déjà il faut voir où c'est inscrit sur ces panneaux. Donc on peut voir l'île s'est inscrit ici. Donc est-ce qu'il est encore possible de prendre cette direction? Donc pour prendre la direction de l'île, quelle voie il faut choisir? Donc ça on le sait grâce aux flèches ici qui vont nous permettre de savoir telle voie va à telle direction. Donc ici on a à 1000 mètres une sortie. Donc pour l'instant on n'a pas cette voie pour sortir. C'est pour ça qu'on n'a pas une flèche pour désigner ici il faut prendre cette voie-là. Puisqu'ici on a quatre voies, une, deux, trois, quatre. Donc nous on est dans la troisième voie. Alors c'est vrai que pour prendre direction l'île, il faudrait être déjà forcément dans la voie la plus à droite, c'est-à-dire la première voie. Donc là en fait qu'est-ce qu'il va falloir faire si vraiment je veux prendre direction l'île? Il faut faire deux changements de voie. Un premier et un deuxième. Donc un premier changement de voie et un deuxième pour être tout à droite. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Mais est-ce qu'il est encore possible de prendre cette direction? Alors pour savoir ça, il va falloir savoir à quelle distance se trouve justement cette bifurcation, ce changement de direction. Donc là, c'est inscrit qu'il nous reste encore 650 mètres. Donc 650 mètres, c'est plus de la moitié d'un kilomètre. On regarde aussi forcément la circulation. Est-ce que derrière moi j'ai du monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Est-ce que en 650 mètres, je vais avoir le temps d'effectuer deux changements de voie? Donc là, on peut voir qu'on n'a pas une circulation très 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 dense. On n'a personne apparemment derrière nous. Donc en 650 mètres, on a largement le temps de faire deux changements de voie. Alors forcément, on va pas tout couper en même temps, ce serait trop dangereux. Donc on va d'abord vérifier si on peut se mettre dans cette voie-là. On va le faire donc en regardant le rétro, l'angle mort, on va mettre le clignotant. Et ensuite, on refera la même chose pour savoir si on peut reprendre la voie ici. Hein. Mais 650 mètres, c'est largement suffisant. Par contre, ce serait marqué donc justement 250 mètres. Là, ça aurait été un petit peu plus compliqué au niveau distance. Donc là, oui, il est encore possible de prendre la direction de l'île. Réponse A. Onze. Dans ce tunnel hors agglomération, je pourrais circuler sans feu. Réponse A. En feu de position seul. Réponse B. En feu de croisement.
Réponse C. Je vais circuler dans un tunnel éclairé situé hors agglomération. Je suis tenu de faire usage des feux de croisement car malgré l'éclairage, la visibilité reste réduite. La signalisation en place rappelle d'ailleurs cette obligation. Les feux de position sont réservés à la circulation en agglomération. Les feux de route, quant à eux, ne doivent être utilisés que sur les chaussées dépourvues d'éclairage et lorsqu'ils n'occasionnent aucune gêne. Réponse C. Question 12. La distance de freinage dépend de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de freinage est la distance que vous parcourez entre le moment où vous avez appuyé sur la pédale de frein et le moment où votre véhicule s'arrête. Cette distance est proportionnelle au carré de la vitesse, c'est-à-dire que si vous doublez votre allure, vous multipliez votre distance de freinage par 4. La durée du temps de réaction n'influe pas sur la distance de freinage. En revanche, plus le temps de réaction est long, et plus il s'écoulera de temps avant le freinage, ce qui aura pour incidence d'allonger la distance d'arrêt. Réponse A et D. Question numéro 13. Dans quelle zone se trouve l'indice le plus important? Zone 1, réponse A. Zone 2, réponse B. Zone 3, réponse C, zone 4, réponse D. Un véhicule de SAMU, service d'aide médicale urgente, arrive derrière moi. Il est prioritaire et je dois tout mettre en œuvre pour faciliter son intervention. Après avoir vérifié qu'aucun deux roues ne circule dans la bande cyclable, je vais devoir serrer à droite et ralentir. L'indice le plus important se trouve dans la zone 4. Bonne réponse. D. Question 14. Pour tourner à gauche à cette intersection, je peux serrer le terre-plein central. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois mettre un clignotant. Oui, réponse C. Non, réponse D. En marche normale, vous devez maintenir votre véhicule le plus près du bord droit de la chaussée. Toutefois, lorsque vous abordez un carrefour à sens giratoire, vous pouvez serrer le terre-plein central en vue d'emprunter une sortie située à gauche. Pour informer les autres usagers de votre changement de direction, vous devez mettre votre clignotant. Réponse A et C. Question 15. La vitesse est limitée à 80 km/h. À 150 mètres? Réponse A. À partir du panneau? Réponse B. La chaussée est à double sens de circulation. À partir du panneau? Réponse C. À 150 mètres? Réponse D.
Les panneaux de prescription prennent effet immédiatement, sauf dans le cas où un panonceau de distance les complète. Dans cette situation, votre vitesse ne doit pas être supérieure à 80 km/h à partir du panneau. Contrairement aux autres panneaux triangulaires de danger, placés environ 150 mètres avant le danger hors agglomération, ce panneau vous informe que la chaussée est à double sens de circulation immédiatement. Vous devez donc tenir compte de ce changement de situation qui risque de rendre les dépassements plus difficiles. Réponse B et C. Question numéro 16. Sur cette chaussée, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Réponse A. 90 km/h. Réponse B. 110 km/h. Réponse C. 130 km/h. Réponse D. Les panneaux de direction sont à fond vert et les cartouches placées au-dessus indiquent que je roule sur une route nationale et européenne à la fois. Sur une autoroute, j'aurais rencontré des panneaux à fond bleu et un cartouche rouge portant la lettre A pour autoroute. Je circule sur une chaussée à quatre voies séparées par un terre-plein central. Tous ces indices me prouvent que la vitesse maximale sur cette route est de 110 km/h. Bonne réponse, C. Question numéro 17. Ce signal annonce une aire de repos, réponse A, une aire de service, réponse B, une voie de détresse, réponse C. Un emplacement d'arrêt d'urgence. Réponse D. Ce panneau annonce à 2000 mètres une voie de détresse à droite. Ces voies sont aménagées dans les longues descentes dangereuses et sont réservées uniquement aux véhicules dont le freinage est défaillant. Bonne réponse, C. Question numéro 18. Je peux circuler en feu de position seul, réponse A. En feu de croisement, réponse B. En feu de route, réponse C. En agglomération, lorsque l'éclairage de la chaussée est continu et permet de voir à une distance suffisante, les usagers peuvent circuler soit avec les seuls feux de position, soit avec les feux de croisement. La chaussée sur laquelle je circule est dépourvue d'éclairage public. Je dois pour l'instant circuler en feu de route pour voir le plus loin possible. J'utiliserai les autres feux dès que je circulerai dans les rues éclairées. Bonne réponse, C. Je peux faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je klaxonne. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'usager qui vient de la droite est correctement arrêté à une intersection signalée par un cédez le passage. Je n'ai aucune raison de klaxonner puisqu'il n'y a pas de danger immédiat. Cependant, je peux faire un appel lumineux afin de signaler ma présence. Bonne réponse, A
et D. Je circule sur une route à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vais rencontrer un passage à niveau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau triangulaire indique qu'à 150 mètres, vous allez rencontrer une intersection où vous allez bénéficier d'une priorité ponctuelle. Vous ne circulez donc pas sur une route à caractère prioritaire. Quant à la balise blanche et bleue, elle positionne un obstacle peu ou pas visible, situé sur l'accotement et non la proximité d'un passage à niveau. Réponse B et D. Question numéro 21. Dans une aire piétonne, la vitesse est limitée à 20 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sauf indication contraire, tous les usagers peuvent circuler. Oui, réponse C. Non, réponse D. Une aire piétonne est réservée à la circulation des piétons. Ils y sont prioritaires sur les autres véhicules. Les véhicules autorisés doivent circuler à l'allure du pas. La présence de véhicules motorisés est exceptionnelle. Bonne réponse, B et D. Question 3. Les feux de croisement doivent émettre une lumière de couleur blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ils doivent éclairer au minimum à 30 mètres. Réponse C. 40 mètres. Réponse D. Les feux de croisement doivent émettre une lumière blanche ou jaune, éclairant à 30 mètres minimum sans éblouir les autres usagers. Les infractions à ces dispositions sont passibles d'une amende de 68 euros. En outre, la nuit ou le jour, lorsque la visibilité est réduite, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite si vos feux de croisement ne fonctionnent pas ou s'ils ne sont pas conformes à la réglementation. Réponse B et C. Question 23. La signalisation m'oblige à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. À céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Vous abordez un carrefour à sens giratoire. La signalisation ne vous oblige pas à marquer l'arrêt. En revanche, vous devez céder le passage aux usagers arrivant sur votre gauche. Réponse B et C. Question numéro 24. Lors de la vente des véhicules neufs, les étiquettes énergie donnent des informations sur les émissions de CO2 dioxyde de carbone, réponse A. La consommation de carburant, réponse B. Le type de carburant, réponse C. La vitesse maximale du véhicule, réponse D.
Tous les véhicules neufs vendus en concession doivent être présentés avec une étiquette énergie. Sur cette étiquette figurent des informations générales concernant la marque, le modèle et la version du véhicule. On y trouve des informations sur le type de carburant utilisé et les consommations du véhicule en agglomération ou hors agglomération notamment. Enfin, un code de 7 couleurs classe ces véhicules par rapport aux émissions de CO2, dioxyde de carbone, principal gaz à effet de serre. Un système de bonus-malus accompagne cette mesure pour inciter les consommateurs à acheter des véhicules de plus en plus propres. Bonne réponse A, B et C. Question 25. Cette signalisation annonce une déviation. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je conserve mon allure. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ces panneaux indiquent que vous abordez un virage dangereux. Pour diminuer les effets de la force centrifuge qui, dans les virages, pousse les véhicules vers l'extérieur de la courbe, vous devez ralentir afin de pouvoir conserver la maîtrise de votre véhicule. Réponse B et D. Question 26. Je conserve mon allure. Réponse A. Je ralentis progressivement. Réponse B. Je ralentis rapidement. Réponse C. Vous quittez l'autoroute et allez aborder un virage dangereux. Par mesure de sécurité, la vitesse a été abaissée à 70 km/h. Pour être à la bonne allure dès le panneau, vous devez commencer à ralentir à l'avance. Pour ne pas surprendre l'usager qui vous suit, le ralentissement doit être progressif. Réponse B. Question numéro 27. Ces panneaux annoncent une surélévation de la chaussée, réponse A, un passage pour piétons, réponse B, un endroit fréquenté par les enfants, réponse C, des cyclistes venant de droite ou de gauche, réponse D. Ce panneau de danger de forme triangulaire annonce à 150 mètres environ un passage pour piétons. Au-dessous, un panneau de même catégorie signale un débouché de cyclistes venant de droite ou de gauche. Bonne réponse, B et D. Question numéro 28. Après ce signal, je peux stationner, oui, réponse A, non, réponse B, m'arrêter, oui, réponse C, non, réponse D. Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement. L'interdiction s'applique du côté où est implanté le signal, sur le trottoir et la chaussée, jusqu'à la prochaine intersection. Bonne réponse, B et D. Question numéro 29. Ce signal annonce un danger à 150 mètres environ, réponse A, un danger à 50 mètres environ,
Réponse B. Une chaussée rétrécie par la gauche. Réponse C. Une chaussée rétrécie par la droite. Réponse D. Placé en agglomération, ce panneau annonce un danger à 50 mètres environ. Il signale une chaussée rétrécie par la gauche. Bonne réponse, B et C. Question 30. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser cet usager qui roule lentement. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voie située à votre gauche est une voie de stockage affectée au changement de direction à gauche. Vous ne pouvez donc pas l'utiliser pour effectuer un dépassement. Réponse B. Question 31. À l'intersection, je devrais m'arrêter. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Pour aller à gauche, je dois mettre le clignotant. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La signalisation vous annonce un rond-point. En l'abordant, vous devrez céder le passage aux usagers venant de gauche. Si aucun usager n'arrive, vous pourrez vous engager sans marquer un temps d'arrêt. Pour ne pas surprendre les autres usagers, vous devez indiquer vos intentions à l'aide de votre clignotant. Réponse B et C. Question 32. Cette limitation me concerne si je continue en direction de Saint-Égrève-Nord. Oui, réponse A. Non, réponse B. En direction de la zone artisanale de Saint-Égrève. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panonceau vous indique que cette limitation concerne les usagers utilisant la voie de décélération permettant de rejoindre les zones d'activité de Saint-Égrève et de Saint-Martin. En revanche, si vous continuez vers Saint-Égrève Nord, vous n'êtes pas concerné par cette limitation. Réponse B et C. Question numéro 33. Je circule à 100 km/h. La distance de sécurité est suffisante? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. La distance de sécurité est la distance minimale à conserver avec le véhicule qui me précède lorsque je roule à la même vitesse que lui pour éviter une collision si celui-ci freine brusquement. Cette distance doit correspondre à la distance parcourue par mon véhicule en 2 secondes. 1 seconde de temps de réaction et 1 seconde de marge de sécurité. Je peux calculer approximativement la distance nécessaire selon la vitesse du véhicule. Pour cela, je multiplie par 6 la dizaine de la vitesse. Je dois donc, à 100 km/h, conserver une distance de 60 mètres avec le véhicule qui me précède.
La distance de sécurité est suffisante. Je n'ai pas à ralentir. Bonne réponse, A et D. Question 34. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je garderai le clignotant pendant toute la durée du dépassement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Avant d'entreprendre une manœuvre de dépassement, vous devez vous assurer que la voie que vous allez utiliser est libre. Devant vous, la voie de gauche est libre et les véhicules arrivant derrière vous sont suffisamment éloignés pour que vous puissiez vous déporter. Vous pouvez donc effectuer le dépassement. Avant d'entamer la manœuvre, vous devez mettre votre clignotant pour avertir les autres usagers de votre intention. Vous devez le maintenir à gauche pendant toute la phase de dépassement et le mettre à droite avant de vous rabattre. Réponse A et C. Question numéro 35. Je ralentis et je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. Je klaxonne. Réponse C. Je fais des appels lumineux. Réponse D. Les piétons du côté droit, comme le piéton à gauche, viennent dans ma direction. D'un côté comme de l'autre, je dois laisser un intervalle d'un mètre puisque je circule en agglomération. Il est vraiment totalement inutile de manifester un quelconque agacement envers ces piétons qui se déplacent dans cette rue étroite dépourvue de trottoir. Je ne fais donc ni appel lumineux, ni appel sonore. Je m'arrête et attends que la chaussée soit libre pour m'engager et je reste courtois. Bonne réponse, B. Question 36. Il est préconisé de vérifier le niveau d'huile lorsque le moteur est froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque le moteur est chaud. Oui, réponse C. Non. Réponse D. Une insuffisance ou une absence d'huile peut avoir des conséquences graves sur la mécanique. C'est pourquoi vous devez régulièrement contrôler le niveau d'huile et au besoin le compléter avec une huile présentant les mêmes caractéristiques que celles utilisées lors de la vidange. La vérification du niveau d'huile doit se faire de préférence lorsque le moteur est froid. Réponse A et D. Vous sortez d'agglomération. Sauf indication contraire, la vitesse. Question 37. La vitesse est limitée à 50 km/h. Réponse A. 70 km/h. Réponse B. 80 km/h. Réponse C. 110 km/h. Réponse D. Vous sortez d'agglomération. Sauf indication contraire, la vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Néanmoins, vous devez constamment rester maître de votre allure. C'est pourquoi, si le profil ou l'état de la chaussée ne le permet pas,
vous devrez rouler au-dessous de la vitesse maximale autorisée. Le défaut de maîtrise de l'allure est passible d'une amende de 135 euros. Réponse C. Question 38. En cas d'accident, les dommages corporels causés au conducteur sont pris en charge par la garantie responsabilité civile. Oui ? Réponse A. Non. Réponse B. La garantie responsabilité civile est obligatoire. Elle couvre tous les dégâts causés à autrui par le fait de l'usage d'un véhicule automobile. En revanche, les dommages causés au conducteur ne sont pas pris en charge par la responsabilité civile, mais par la garantie individuelle conducteur. Cette dernière n'est pas obligatoire, mais reste vivement conseillée. Réponse B. Question numéro 39. Je peux circuler à 90 km/h ? Réponse A. À 100 km/h ? Réponse B. À 110 km/h ? Réponse C. À 130 km/h ? Réponse D. Ce panneau sur fond bleu confirme les directions desservies par cette autoroute. Par temps de pluie ou autre précipitation sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Cependant, lorsque l'autoroute est limitée à 110 km/h par temps sec, la vitesse maximale est fixée à 100 km/h par temps de pluie ou autre précipitation. Bonne réponse, A et B. Question numéro 40. Je circule en agglomération. Je dépasse en laissant latéralement un intervalle d'au moins 1 mètre, réponse A, ou 1 m50, réponse B. Cette ligne centrale d'avertissement à traits rapprochés et flèches de rabattement ne me concerne pas. Elle annonce une ligne continue pour les véhicules venant en sens inverse. La visibilité vers l'avant est bonne. Le véhicule à l'arrière est éloigné. Je peux dépasser tout en laissant un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre. Bonne réponse. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici. Cette vidéo a été coupée car elle était trop longue. Pour compléter la vidéo, vous trouverez sa suite dans la description ou cliquez ici.